Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Borderlands Pré-Séquel, toujours en compagnie de Darkstar. Salut à toi. Salut tout le monde. Et nous continuons ce fameux jeu qui était impressionnant par rapport au dernier épisode. Je me rappelle, je me suis fait one shot. J'avais pas trop compris pourquoi, son arme elle a fait un peu trop mal. Mais à mon avis, il doit avoir des compétences un peu particulières. Donc là, on avait justement le coffre qui était ouvert. On avait vu qu'ici dans cette zone, on ne pouvait pas y atteindre. Maintenant on peut, donc... Maintenant on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Oh putain, regarde-moi ça. Tu veux attendre avant de te servir? Non mais regarde. Non mais de toute façon, je me sers pas tout de suite, ah ouais. Regarde-le. Il est pas mal, celui à gauche. Ouais. Mais moi, il réduit... En fait, il est bien pour la cadence de recharge, tu vois, mais il a moins de capacité que le mien, parce que le mien est 70. Il est un peu moins rapide aussi, de 0,08 en délai de recharge. Et l'autre à côté? Oh! Oh, je veux celui à droite. Vas-y, prends-le. Oh, ouais. Oh, je vais m'en équiper tout de suite. Certes, j'ai peut-être pas beaucoup en armure. Mais t'as pas vu à combien il est? Ouais, si, j'ai vu. 52? Tu veux peut-être le mien au cas où? Non, c'est bon. Non, mais moi, je m'en fous. J'en ai pas besoin, en fait. Regarde. Je sais pas s'il peut peut-être t'intéresser, tu sais. Non, t'inquiète. Je te l'ai quand même posé à terre. Parce que celui-ci peut peut-être t'intéresser quand même pour le délai de recharge. Ouais. C'est pour ça que je te dis ça. Moi, je m'en fous après le bouclier. En effet. Donc voilà, le jeu, c'est aussi de s'entraider. Faut pas être assez radin. Alors les amis, ce qu'on va faire, c'est vrai que on avait merdé. On va se l'avouer, on avait merdé. On va finir un peu plus près des étoiles. Parce que, en fait, on a été tellement préoccupés, donc j'ai mis de toute façon une annotation. Qu'on n'a pas lu, ouais, et on a tellement été préoccupés par notre oxygène, parce que c'est totalement un nouveau gameplay, faut vraiment se l'accorder. Ouais. Quoi, tu veux de la graisse? Alors attends, tu vas te foutre de ma gueule, mais j'ai un problème. C'est-à-dire? Je ne sais plus comment on change d'arme. Triangle. Triangle. Ouais, à moins que t'as mis qu'une arme. Ah ouais, non, c'est pour ça, ouais. Voilà. M'en douter. C'est pas grave. Oh, ça arrive. C'est pas grave. Mais c'est parce qu'à mon avis, t'as certainement dû vendre ton arme sans le faire exprès. Ouais, c'est pour ça. Prêt. Alors, attends. Alors, on va faire pilonner, je suis en haut. Punaise, mais je trouve que ce jeu, il est magnifique, en fait. On est peut-être sur console, les amis, mais je vous assure que moi, je l'aime bien, malgré que c'est sur console. Alors, où es-tu? Je suis en haut. Ah oui, on peut sauter super haut. Oui, tu as une gravité plutôt surprenante. Donc, allons-y. Je vais justement faire attention au pilonné. Wouhou! Ah ouais, ça marche bien. Ah ouais, t'as fait ça comment? En fait, tu vois, tu fais ça. Et après, tu utilises ton bouton pour t'accroupir. C'est trop loin. Je suis sûr qu'on peut tuer un ennemi avec ça en plus. C'est ça que nous. Allumer l'imprimante. D'accord, donc l'imprimante. Où es-tu, mon ami, l'imprimante? Oh là. On va se calmer, hein. D'accord, c'est génial ce truc. Et je n'ai déjà plus d'oxygène. Oh non, puis je fais pas attention à l'oxygène. Donc... Ouais, je vous avoue que moi non plus. Ah, je pense que c'est à l'intérieur. Alors, attendez. Hop. Enfin, yes. Ouais, c'est en bas. Ouais, si, c'est en bas. Non, je voulais faire un pilonné. Voilà. Allumez la plume. Ça fait quoi? Waouh. Putain, de galère. Ça fait des Regarde, photocopies. Regarde, elle fume. Elle va prendre feu. Casson. Allez, il y a même pas une belle photo. Ouais, non, il y a même pas de photo. Parce que normalement, Borderlands, faut savoir que Moxie est souvent photographié. Il me faudrait une nouvelle clé à molette. Tu veux une nouvelle clé à molette? Tu la veux où? Par ici. Je pense qu'elle est plutôt dans son petit derrière. Ah, c'est vrai, mon personnage est une fille aussi. Alors, excuse-moi. Coup du boost aérien. Dégâts aériens. Dégâts pilonnage max. Hey. Ça c'est quoi?
capacité en oxygène. Je crois qu'en fait, il faut pas forcément avoir le max en oxygène. Par contre, je prends Un les dégâts. défi. Hein. Poids mort, ce type que je t'ai demandé de buter. Ah ouais. Il vient Alors, kit oxygène. Je ne sais Va pas quoi vaisseau prendre. Et colle-en partout. Tiens, prends ces affiches et l'accusé de réception. Tout à fait, oui. Bon. Alors, je vais m'équiper aussi, justement, de notre nouveau kit d'oxygène. Mon kit d'oxygène, il faisait quoi? Dégâts fusil à pompe? Cadence de tir sur le fusil à pompe? Ah non, fusil de précision, pardon. Ah ouais, donc ça peut être pas mal, en fait. Je vais quand même le garder. De toute façon, faut pas vendre, faut pas tout précipiter, en fait, hein. Faut faire attention. Faut que tu fasses signer l'accusé de réception avant de pouvoir coller les affiches. D'accord. Et c'est loin? Juste pour que je vois un petit peu? Ah ouais, quand même. Ah bah, c'est dans l'autre zone. Bah, on va attendre. Ici, on est à, au terrain. D'accord. Bon, faisons les quêtes du terrain, d'abord. Tu t'y connais, au laser? Il y a un réacteur lumineux dans un bâtiment près d'ici. Je pourrais en tirer pas mal de pierres lunaires. Si tu me le rapportes, je te filerai une de mes armes laser en rab. Oh, il peut me coller. D'accord. T'en auras besoin pour énerver les kragons. Ah, faut énerver les kragons. Je représente la société Torg et je suis super trop vénère que les flingues laser existent. Ils utilisent la lumière et la lumière ça explose. Mais qu'il est celui-là. Je te paierai si tu détruis ce réacteur lumineux quand tu le trouveras. C'est un peu excessif, mais j'apprécie son énergie. Faut savoir que Torg est vraiment un gros couillon de service, hein. C'est une sorte de brutasse. Olé! On n'est pas tombé cette fois-ci. Ouais. Du premier coup. Ce sera mon épitaphe. Attends. Ah, faut les mettre en colère. Non, ils sont en colère. Comme on Comment tu me. On a un pistolet, je crois, pour les mettre en colère, c'est pas ça? Ah ouais, on a une. Bah, c'est possible, attends. Faut qu'on descende du camion. Descende du véhicule. Oula, oula. Putain, c'est vrai qu'ici, le moindre choc, tu voles aussi. Alors. Attends, je vais vérifier. Ah oui, effectivement. C'est le petit pistolet, c'est ça? Ouais, c'est le pistolet. Allez. Tu l'as tué? Ouais, pourquoi? Non, faut pas le tuer. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, il faut pas le tuer. Mais non. Bah, il est mort. Faut pas le tuer, voyons. Je crois qu'il fallait le mettre en colère. Oui, mais moi j'ai tiré pour le mettre en colère déjà. Ah, moi aussi? Non, toi tu l'as tué. Ah, bah oui, mais c'est pas de ma faute. Ah, ouais, wow. Mais faut pas que t'ailles là-bas, hein, sinon il va te foncer dessus. J'étais en train de regarder dans mon menu. Ouh. Non! Derrière! Derrière! Bah, j'arrive. Non mais c'est l'animal là. Allez, viens. Ah, d'accord. Viens vers moi. Ici. Je crois qu'il est en train de me foncer dessus. Ils ont dégagé les saloperies. Et voilà. Non, c'est bon. Alors. Eh, ça pique, hein. Oh, ils font mal. Il y a des trucs intéressants là-dedans? Non, il y a rien. J'ai rien vu. Tu peux me donner le réacteur ou le détruire pour Monsieur Torg? Je t'aimerais toujours pareil. Alors moi, je vais vous le dire tout de suite, je vais le donner à la fille, parce que Torg c'est un gros connard. Voilà, ça c'est dit. Il est vraiment con. Il est marrant, mais il est con. Il est terriblement con. À part gueuler comme un taré, c'est tout ce qu'il sait faire. Alors, on va prendre son élan. Fais gaffe, ça, t'as un truc sur le côté gauche pour. Ah bah non, c'était pas ici, d'accord. On a rien vu. Oh purée, mais merde. Je pensais qu'il allait avoir le tremplin, mais non, c'est pas celui-là. D'accord. Bon, c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'on vit à côté. On est à côté. C'était calculé. Voilà, tout a été fait exprès. Ah merde, elle est en bas. Bonne mince. Moi je te suis comme un con. Ouais. Alors. On forme une bonne équipe, non? Entre moi qui fais rien et toi qui fais tout. Ah, c'est moche. Tout le monde s'amuse avec des armes laser et moi je suis là à faire exploser des trucs. Quelle vie de merde. Ah, c'est pas grave.
Les gens aiment bien les explosions. Tu dis ça juste pour me faire plaisir. Les gens, ça veut des lasers, pas des explosions. Non, moi j'aime bien les explosions, vraiment. T'es super. Vraiment? Alors, je t'aime bien. Ça te dirait de sortir avec moi? Désolé, j'aime pas les garçons. Coucou, Spanier. Athéna vous raconte l'histoire du réacteur lumineux, c'est ça? Je tiens juste à signaler que j'étais vraiment déprimé à l'époque. Aujourd'hui, je comprends mieux que son rejet n'avait rien de personnel et que ma remarque n'était rien misogyne. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Laisse-nous tranquille, monsieur Torg. C'est de bonne guerre! Yeah bon, maintenant, il peut la fermer un petit peu, lui, parce que j'attends tout à l'heure. Ouais. Alors. Pourquoi il nous rend de ah non, c'est d'accord, c'est pour la finir. Oh, c'est pas mal. Je crois que t'as un canon comme moi. Où ça? Regarde dans ton inventaire. Je pense que c'est le canon. Oh, il va être génial. Ah oui, exact. Il va être génial. Alors, dégâts des armes. Ah, purée. Ah, ben j'hésite, parce qu'en fait, si c'est toutes les armes, ouais, c'est... Je trouve que c'est mieux. Bon allez, tant pis, on va virer quelques petites armes de nos inventaires parce que sinon ça va être compliqué. Bon, moi j'ai une vidéo aussi mon inventaire. Ouais, moi je le vide que maintenant, mais le rayon, enfin le canon, honnêtement le rayon ça peut être intéressant, mais c'est pas l'arme la plus cheatée je trouve. Non. Est-ce qu'on a encore des missions à faire sur le terrain? Pas du tout. D'accord, oui, on a un TP, on peut utiliser le TP là-bas. Parce qu'il y a des personnes qui utiliseraient un véhicule pour aller à l'autre zone, sauf que c'est pas obligatoire. Attends. Ah, donc on n'a pas été dans des zones. Ah merde. Oh, c'est chiant. Attends, je vais vérifier. Non. Ah, faut aller voir. Merde. Alors, j'hésite. Non, on va faire la quête de niveau 3. On va essayer de gagner un peu d'expérience supplémentaire. Allons-y. Allons-y, les amis. Où est-ce? Et la grappe est vraiment énorme hein, sur le véhicule. C'est abusé. D'accord, t'as dit doucement, c'est ça? Ouais, on va essayer, oui. Par contre, le seul truc, c'est qu'il faut toujours que je fasse back, en fait, c'est ça qui est chiant. Pour voir un petit peu où c'est. Je pense par ici. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà. C'est bien ça. Dos le véhicule. Ne jamais oublier cette technique. Ça peut vraiment vous aider. Ouais, éviter de perdre du temps, surtout. Ouais, surtout. Parce que descendre, le temps d'y aller, etc. Puis ouais. après, tu te retrouves à pied et tu peux refaire le parcours, tu sais. Ah bah comme là, bah là, on est à pied. Alors que normalement, on devrait être dans le véhicule, mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire que dans celui-ci, ils ont quand même changé quelques petites choses. Bon, on n'a pas besoin, on avait un petit peu, donc on va pas tout le temps acheter des armes. Hein. Ah, même pas, c'est pas un canon comme je pense, d'accord. Alors, c'est vrai, on peut leur baiser l'oxygène, n'oublie pas. Petit corps, un corps. Ça peut leur casser leur oxygène et les étouffer, regarde. Ah bah allez. Mais non, il saute, lui. Reviens ici. Et je veux te casser ton... Bon, d'accord. Ah oui, d'accord, ils sont violents avec moi, là. Bon, bah alors, on va arrêter de faire le con, hein. Je voulais leur casser le casque, mais ils veulent pas. Trouver quelqu'un pour réceptionner... Les affiches. Tout à fait. Il y a des armes ici. Je suppose. Ouais, c'est dalle, donc il y a forcément des armes. C'est vrai que j'aime pas en fait l'arme que j'ai. Je l'enlève. Laquelle? Celle avec les roquettes, elle est pas terrible parce que le temps que t'arrives sur les personnes, c'est long. Alors, bon, c'est des armes basiques quoi.
Je vais prendre les deux à gauche et on les vendra. Exactement. Voilà. Je pense que ce serait mieux de faire comme ça. Faut pas forcément tout le temps s'embêter. Voilà. Bonjour. Mais tu vas dégager de chez nous. J'ai un colis. Tu signes ou je te bute. Ce sera un vrai bonheur. De quoi que je te bute? Super, maintenant file-lui le colis. Merci. Et maintenant, tu dégages. Il a le colis? Cool. Gentil. Maintenant bute-le. Ça reste quand même un connard. T'as plus qu'à coller les affiches un peu partout sur le vaisseau. Les hommes de poids mort vont tout faire pour te descendre pendant ce temps, mais bon, c'est la vie. Ah, ça, c'est énorme. Bah, ça, c'est Borderlands tout craché, hein, ça. D'accord. Ouais, c'est sympa. Bon, où faut-il aller? De l'autre côté. À l'intérieur, on va voir des ennemis. Non, non, c'est à droite. On va voir, là on continue et ce sera un peu à droite. Et du coup, faudra les placer. Ok. Je vais essayer de placer les affiches pendant que je t'occupe des ennemis. Bon, bon, en fait, ça va être trop compliqué. Ils m'ont calé un truc électrique. Mais c'est quoi le délire là? Je prends quoi comme coup là? Je comprends rien. Ah d'accord. Oh, c'est parce qu'il y a un boss. D'accord, je l'avais pas vu. Ah, il y a un boss? Bah, je sais pas si c'est un boss, mais... Il est peut-être fort. C'est pas un boss. Non, c'est pas un boss. Mais il est plus fort que... C'est un pierre brutal, c'est tout. C'est un peu chaud d'essayer de placer les affiches quand vous avez trop d'ennemis. Bah après c'est bien, c'est de faire du nettoyage de zone et comme ça on peut gagner pas mal d'XP quand même. Hop. Plus que quelques affiches. Vous voyez, on va faire un tour. Là il y en a qui est en train de suffoquer, on va le laisser mourir tout doucement. Viser la lune. Des fois ils ont des noms cons avec leurs défis. Alors, où es-tu? Il est ici. Alors, c'est quoi l'arme ici? Bon, elle est bof. Tu la veux, peut-être? Attends. Oui, ici, mais elle est... en fait, c'est une arme moins forte. Donc, essaye de venir tout de suite pour l'arme. C'est tout près où je suis, un peu y'a l'arme. Si, si. Où ça? Là où je suis. Précisément où je suis. Je suis en bas, moi, de toute façon. Tu regardes et l'arme, t'en as une ici. Voilà. Moi, je... Elle dit quoi? Elle est bien? Elle est pas bien? Non, elle est pas terrible en fait. Mais après, c'est si tu souhaites la vendre. Ouais, ok. D'accord, eh voilà. Ben voilà, j'ai faim. J'avais surexposé la dernière série de photos. Du coup, j'ai mis une photo de chat à la place. Ça plaît bien, les chats. Enfin bref, reviens. Qu'est-ce qu'elle a contre les chats? Elle en peut plus. Hein. Voilà. J'ai pris un bouclier. C'est trop bien, ça. Faire une sorte de double saut. Bon, c'est sûr, ça nous consomme de l'oxygène. On est conscience, mais... C'est pas grave. Parce que c'est cool. Surtout qu'on n'y est pas loin, donc... L'oxygène, c'est pas très grave, quoi. Bon, après, on meurt pas instantanément, c'est ça qui est cool avec le... Justement, après, je sais pas si avec le mode de difficulté, ça en... Ouais, ça doit changer quelque chose. Ouais, quand même, ça doit en mettre un peu plus, je pense. Ouais. Là, on est en quelle difficulté? Là, on est... bah, en normal, quoi.
Normal, ouais. Parce qu'après, tu as chasseur ultime, bah après, je sais pas, hein, c'est dans le 2, je sais que c'est chasseur ultime, et après chasseur ultime, t'as chasseur ultime 2. D'accord. Chasseur ultime, ça va, mais chasseur ultime 2, ça commence à dérouiller. Ok, je vais vraiment changer d'arme, en fait. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est vrai, il résiste au tapis. C'est pas grave, je vais changer d'arme en cours. On prend une arme. Il y a une arme ici? Bah, prends-la, hein. Bah, attends, je vais pouvoir une arme. Non, bah non. Ah, il mourait. Ding. J'aime bien le bruit de l'arme, il est stylé. On dirait qu'il y a un silencieux. Bien, je te jette mon pistolet sans respect. Est-ce qu'il explose en plus mon pistolet, c'est cool. Ah, on pouvait peut-être faire deux missions là-dedans en fait. Ah, on pouvait faire deux missions. Aïe. On est où là? Attends, je vais vérifier. On va retourner en arrière, tant pis. On peut refaire une mission là-bas. C'est vrai que j'ai oublié de regarder. J'essaie de nous mettre au point de TP. Hein. Surtout que j'avais pas vu qu'il y a pas de vaisseau ici, c'est ça qui est chiant. Tout se retaper à pied, c'est... Ouais, c'est la merde. Mais je vais nous faire le point de TP dans 3 secondes. Non. Voilà. Et on pourra mettre notre point de compétence, parce qu'on en a un, et oui. Donc là, on va faire cette mission-ci, on va rendre les deux quêtes, et après on s'arrêtera, les amis. Ça va vite, hein. Ouais, ça tourne vite, ça tourne vite. C'est plutôt rapide. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est loin. Ouais, bah, je pense qu'on la rendra dans un prochain épisode, les amis. La quête. On va au moins commencer, mais on la rendra plus tard. À la limite, on peut abuser de cette technique, c'est beaucoup plus rapide pour se déplacer en fait. Ouais, c'est clair. Quand tu te prends pas les murs. Ouais, quand tu captures le truc, c'est bon. Hop, je reprends de l'oxygène. Parce qu'à mon avis, si t'as pas d'oxygène, tu peux plus le faire. Attends, c'est pas ici. Ah, si, c'est là où il y avait des armes, il me semble, non? Ah non, c'est de l'autre côté, regarde. C'est où il y a les plateformes qu'il faut aller. Ouais. C'est vrai, je me rappelais plus de ces plateformes. Mais... où on va voler comme des gros tarés. Où on avait même un boss, là, qui était très chiant. Ah oui. Mais il va peut-être encore être là. Hein. C'est possible des fois que les boss soient dans la même zone. Après, je vous dis, c'est possible. Ah bah, tu vois, s'il y a encore... Oh non, on va pas le tuer. Bon, il est encore là? Ouais, ouais, il est encore là. Mais tant pis. Faites-le. On s'en fout. Ah non! J'ai fait le con. C'est là qu'il faut aller. Ouais, parce que, en fait, à chaque fois que tu revas dans la zone, tu peux tout le temps rattaquer le boss, en fait. D'accord. C'est en gros, c'est pour le farmer, pour avoir par exemple, tu sais, son loot rare, quoi. Tu vas devoir le forcer à l'aide de ce bouclier pour revoler le matos. Fais-moi confiance.
Alors. Ah, c'est vrai, comme je suis en l'air, je peux pas ouvrir le menu. Wow, Loulou, voyons. J'ai pas encore mis mon point de compétence, je sais pas si toi tu l'as mis. Non, pas encore. Encore ? Bon, ça va. Ouais, merci, je vole plus loin. Ça me va, cognez-moi. Toi, tu tues les ennemis pendant ce temps-là. T'essayes de tuer point mort. Non ? Exactement. Mais il fait mal. Bon, t'aurais pas dû t'occuper de point mort, ça. Bon, c'est bien, tu me fais de l'expérience. Rejoindre la salle de sécurité. Bon, ça devrait le faire. J'espère que j'aurai pas besoin de toi pour aller dans la salle de sécurité, parce que des fois t'as des missions, t'es obligé de mettre à plusieurs. Ouais, je l'espère. J'ai vraiment hâte de balancer ton cadavre sur une plateforme. C'est un TP ici ? Ah non. C'est un ennemi. Ah, je cherche un truc pour un bord, je le vois pas. Où est-il ? Ah d'accord, il est dans la plateforme au-dessus. Alors. Putain, qu'est-ce qui fait mal ce coup ? Ah bah c'est un boss, hein. Faut quand même qu'ils font mal ces boss. Alors, hein, faut quand même qu'ils font mal les boss. Ouais. Sinon c'est pas drôle. Ah ouais, sinon c'est pas drôle. Ah bah. Ouais. Mais ça va être compliqué, vas-y, moi je suis très loin, j'essaie de. Non, oh, mais t'inquiète. Ah bah ça va. Enfin, t'inquiète. On va. Rip. On va mourir. Ah. Ok. Alors attendez, rejoindre la zone, comment je dois faire ? Il écrit ? Hein ? Non, parce que je regarde. Équipez-vous du bouclier. C'est quoi ton problème ? Donc on a un bouclier de mission. Non ? Mais laisse-moi tranquille, toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Je te massacre ? Voilà, je t'ai massacré, t'es content ? Ils sont chiants. Oh, des armes. Rejoindre la salle de sécurité. Mais ils écrivent pas si c'est en dessous, donc j'ai l'impression que c'est ici, mais après... Tu devrais voir un tas de systèmes de sécurité autour de toi. Désactive-les tous en même temps pour ouvrir le coffre. Mais vous êtes des trous de balles, j'étais là. Vous faites vraiment exprès. Attendez. C'est quoi ce délire ? Désactiver les caméras. C'est ici ? Ouais, quelque chose qui est pas net là. Ah, d'accord. C'est bon, je rentre dans la zone. Ok. What? Bah viens m'attaquer toi. Attaque-moi. Oui, attaque-moi.
Allez. Oui bah, t'es lent, hein, pour m'attaquer. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Pas comme ça. Non, attends que mon bouclier se recharge. Voilà, maintenant tu peux m'attaquer. Attaquez-moi. Bon bah ça marche pas. Ah si. Ah, je vais réussir. Bah voilà. Plutôt utile. Donc le coffre. Fais gaffe autant de ta vidéo, hein. Ouais, non, mais je sais. Là, je sais que c'est 30, mais... Là, je viens juste de finir. Donc là, voilà, les amis, on va s'arrêter ici. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. On se retrouvera donc pour de prochaines aventures et on rendra, du coup, les deux missions, les amis. Allez, salut à tous. Voilà, salut tout le monde.